Bonjour. En fait, c'est ça, en fait, c'est ça. Et je vais vous raconter une histoire. Attendez, vous voyez ça là? Ça, c'est la feuille de cannabis. La feuille du canal 10. Canal 10. Voilà. En fait, l'histoire, c'est que... Tu vois ça là, là? C'est une histoire avec les flics, hein. Tu vois là, là? C'est là où je cache mon shit. Eh ben, figure-toi que hein, les flics, ils veulent toucher ça, là. Ils veulent toucher ça, là. C'est quoi ces obscénités? Franchement, ils font des lois, et après ça, eux-mêmes, ils respectent pas les lois. Franchement, j'ai jamais compris c'est quoi cette obscénité-là. De toute façon, on est dans un pays qui marche à l'envers, à l'endroit. Ça, c'est... Ah, ça décolle les oreilles, ça. Ça, c'est... Ça, c'est le premier rap. C'est le premier rap. Guadeloupéen et Moulin, même. C'était avec mon groupe Arme à Feu. T'étais peut-être trop jeune pour connaître ça. Mais les gens de RFO, les gens là qui font la télévision, là, ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Il y a des employés de RFO, là, de Radio Guadeloupe, de Guadeloupe Première. Ils connaissent ça, ils connaissent ça, ils connaissent Arme à Feu. Et ça, c'est la version... Viens donc faire un tour au 90-760. Balance une parole mal placée, ni un bad boy te plante. Faute à qui, la faute à toi, la faute à moi, je ne crois pas. Le mal s'installe pas à pas, et on mord tous à la barre. Les balles fusent dans le décor, l'environnement respire la mort. Et pour t'en sortir, fais mal, tu dois mener une vie hardcore. Il y a trop de chômage, la jeunesse de demain à la rage. À l'époque où l'on ne sait bien le bis qui rapporte davantage. Supreme Bougal est là qui casse mais la zizanie. C'est un métier à la Rio, béni, car il s'aspect. Et fais voir si ça donne crainte, bluff. Et des chargeurs chargés au max. Des duels sanguinaires comme dans le film Mad Max. Braque café, bien cassé, qu'on s'en sac à passer. Alors Babylone, bise, fait tout le monde répasser. Les joues qu'à passer, mais ailleurs pas qu'à changer. À bon entendeur, salut, une balle vient d'être tirée. Misère, c'est l'enfer, j'ai paradis, c'est l'enfer. 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 On dit que le môle refoule, les foules écoulent. Tout espoir de voir un duel avec le goal. Plus féroce que des pécoles avec une vie hardcore. On dit le tir, faut sortir d'un décor pire que la mort et dire que Satan est sur terre. Babylone est dans les airs, surveillant les frères. En galère, essayant de s'extraire d'une misère. Malvenu, bienvenu, au bis de l'avenue qui rapporte les revenus. Ni vu ni connu, le bis se fait, tout le monde le sait. Tout le monde se tait, sauf les coups qui vendent leur se fait. Trahissent les refrains pour attraper quelques billets. Certains craquent, craquent, mettent à sac les touristes. Tous les baraques font rentrer l'argent par sac en évitant les matraques. J'attaque du mag. Shoot et fait un strike. Good boy, viens dans le ghetto. La vie du coup plus dur qu'un film de Spike. Macro, Macrel, veille, surveille. Se prenant pour des espions. Maintenant je comprends pourquoi le moule avance à bâton. Piton, allons, canon, bâton, baston et fusillade. Combien se disent massifs mais sans plus canif pour faire du bad. Au lieu d'une enfance sur Babylone qui nous freine. Beaucoup de good boys sont trop guidés par leur propre haine. On y pèle, fait, on y fait. C'est le cas du camp fait. Mais les plans fait. Ou pète, fait, ou pète, fait. Ou joue, pète, belle fait. Alors comme je disais, ça c'était le premier rap de Guadeloupe. Les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent, hein. Les vrais qui connaissent, ils le savent. Ils le savent. Et franchement, c'était une vibe qui était comme ça à l'époque. Il y en a là, ils essaient de refaire ces raps là, mais ils peuvent pas parce que c'était l'époque qui était comme ça. L'époque qui faisait que ça sortait comme ça.
Maintenant, il y a du vrai rap, hein, mais c'est une autre époque. Donc, faut arrêter. Faut arrêter de s'efforcer de faire des trucs comme ça. Parce que tu vois, à l'époque, en Guadeloupe, là, c'était pas structuré comme maintenant. C'était pas structuré comme ce que vous avez là entre les mains. C'est pour ça que c'était comme ça. Tu ressens l'énergie du truc. Faut. Je me regarde là dans la caméra, mais ça fait pas bien ça, ça décolle les oreilles. En tout cas, bref. Je sais que c'est une vidéo qui va encore emmerder des gens. Ça va encore emmerder certaines personnes, mais, voilà. Donc c'était sur la caméra de Website. Je vous avais promis de faire un direct, de faire un instrument direct. Mais je vais pas le faire là, parce que j'ai un truc à aller faire. Et franchement, le temps me manque. Le temps me manque, il me manque. Et j'ai perdu mon temps à faire des trucs, le temps me manque. Donc, mais ça viendra. Hein. On va faire des vidéos plus sérieuses, avec des gens sérieux. On va inviter des gens. Et on fera des instruments directs, on fera des trucs. Il y aura même des surprises. Hein. Vous allez voir des grosses stars internationales là, dans la caméra de Website. Mais ce n'est pas encore le moment. Voilà. Bref. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Hein, voilà. Et maintenant, alors, voilà que Hostile est devenu un youtubeur. Hein, je me suis improvisé youtubeur, t'as vu. Tout le monde le fait. Pourquoi je ne vais pas le faire? Il faut quoi? Il faut un diplôme pour faire ça? Il faut quoi? Ceux qui font la loi, là. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Non, j'allume ma caméra, je fais mon émission, je fais mon truc. Si ça te plaît pas, zap, va ailleurs. On est fatigué de te dire ça. Mais si ça te plaît, eh ben reste là, abonne-toi. Et à ce moment-là, il y a plus de trucs qui vont arriver. Je t'ai déjà dit, ce que tu demandes, c'est ce que tu auras. Tu vois? Mais si tu ne demandes pas et que tu fais ton filou là, tu passes sur la chaîne, tu espionnes les gens, tu fais des trucs, tu essaies d'envoyer des attaques ou des trucs, tu essaies de bloquer la chaîne, machin. Mais comment tu veux que les choses se fassent comme ça? Franchement, je suis emmerdant, mais c'est la vérité. Hein? On fait pas des trucs comme un voleur. Comme un voleur, et après ça pour aller porter plainte pour dire t'as un stylé, faut couper sa chaîne, hein, faut couper sa chaîne. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Tu viens, tu t'abonnes, tu fais comme les gens intelligents, tu t'abonnes, tu laisses des commentaires sans des vrais commentaires, hein, pas des trucs où t'injuries les gens ou que voilà. Hein. Tu laisses des commentaires. Et là, la chaîne, elle va vivre. Et là, tu vois, il y aura des DJ qui vont venir. Il y aura, tu vois ce que je veux te dire, c'est comme ça que ça se passe. Bon, ok. Alors, à plus. Et je vous souhaite un bon dimanche suivi d'une bonne semaine. Une bonne semaine. Faites attention à vous. Ok. Allez, peace sur Website. Musée c'est l'enfer, j'ai paradis c'est l'enfer. Musée c'est l'enfer, j'ai paradis c'est l'enfer. C'est toi qui couillera et là y'en disait aïen bière. C'est belle unique, n'est pas ni moyen, belle après. C'est toi qui couillera et là y'en disait aïen bière. C'est belle unique, n'est pas ni moyen, belle après. Encore une fois, je reviens dans la place improvisée. Je reviens pour leur montrer qu'aujourd'hui je suis déterminé. Ne viens pas me percher dans ta tête, je vais exploser. J'ai connu baiser, oligarchie, posé doser avec un beau garçon, pas fait manger, m'emmerder. Si vous touchez moi, Kevin emmerdant, là d'où je viens, la banlieue par échelle. Depuis le départ, c'est que des télés, 7-7-2-7, où j'apprenais, faut changer de vie, mais la rue me revenait. J'ai mon chip, ça la oui, t'inquiète, entre nous ça va coller. Pousse-moi, 2, 3, 4, les frères sont là, les gars. Furio, one shot by night chez Nenad Production. Hostile MC, Explicit Initial, Yes I, pour Atomic Sound. On est là.